Projotirock. On file du côté de Bourg-en-Bresse, découvrir Butcher of Mississippi. Créé en août 2017, Butcher of Mississippi nous offre un death trash agressif et sans concession. Butcher of Mississippi est avant tout une histoire de deux potes évoluant dans un groupe de metalcore qui veulent créer un groupe plus en phase avec leurs influences. Au tout début, le groupe était plus orienté sur du trash indus, mais l'arrivée d'un nouveau bassiste et d'un nouveau batteur en février 2018 donne au groupe le style qu'on lui connaît actuellement. Niveau discographie, le groupe a sorti son premier EP en août 2019. C'est le genre de groupe qui va casser des nuques, et pour les amateurs du genre, je vous conseille vraiment d'y jeter une oreille. Les influences de Butcher of Mississippi sont assez variées, mais restent quand même dans un registre assez extrême, avec des groupes comme Soulfly, Hector Morph, Sepultura ou encore Static X. Au niveau actuel, la période de confinement étant de retour, il est encore moins possible de faire des concerts, bien que c'était déjà très compliqué avant. Le groupe travaille sur de nouvelles compos. Si le groupe garde ce style death thrash, il va étaler sa palette avec un style un peu plus metal indus, voire groove metal à la Pantera. Deux titres sont terminés, dont un est accessible sur leur Facebook depuis le 31 octobre dernier. Comme d'habitude, le lien est dans la description. L'autre morceau sera dispo prochainement, mais je n'ai pas encore de date précise à vous donner. Comme tous les groupes, ils ont hâte de retrouver la scène pour faire découvrir à leur public leurs nouveaux morceaux, mais aussi pour stabiliser le line-up. Voilà, c'est fini pour Butcher of Mississippi. Un peu de métal extrême, ça ne fait pas de mal. Encore un groupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça en fait pas mal en peu de temps, c'est cool. Si vous jouez dans un groupe ou si vous souhaitez voir un de vos groupes préférés de la scène émergente être chroniqué, n'hésitez pas à m'envoyer un message, mon mail est dans la description, je me ferai un plaisir d'étudier votre demande. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez vos découvertes, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi faire un clic sur le pouce bleu. Il est temps de se quitter avec un dernier extrait et de vous dire à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao! We're from the grave.